Est-ce du sport? Est-ce du cinéma? Je vous les juge. Demain va sortir sur nos écrans un film au nom bizarre, Pimping Aaron, titre français Arnold le Magnifique. Un film tourné par un jeune producteur méconnu et par un metteur en scène débutant. Mais c'est peut-être le héros qui a attiré tant de monde dans les salles américaines. Le héros, c'est une masse de 120 kilos de muscles, ancien détenteur des titres de Monsieur Amérique, Monsieur Monde, Monsieur Univers et Monsieur Olympia. C'est tout. Je crois que je n'ai rien oublié. On le regarde maintenant. Arnold le Magnifique, film d'un producteur et d'un réalisateur débutant, a obtenu en Amérique un succès inattendu. Il a pour héros Arnold Schwarzenegger, une montagne de 120 kilos de muscles, détenteur du titre de Monsieur Amérique, Monsieur Monde, Monsieur Olympia. Jackie Onassis est l'une de mes admiratrices. Elle a amené toute sa famille voir mon film. Et vous savez, le sport, c'est très à la mode en Amérique. Quelqu'un qui gagne le concours de Monsieur Univers ou Monsieur Olympia gagne-t-il beaucoup d'argent? Ça dépend, on ne gagne pas tant avec le prix en espèces, 5 à 10 000 dollars. Mais si on a la bosse du commerce, alors ensuite on peut faire de l'argent. Avant de devenir professionnel, je produisais des spectacles très lucratifs. J'ai écrit un livre, j'ai fait des films, j'ai une affaire de vente par correspondance. Une affaire de culturisme? Oh, des textes qui traitent de culturisme. Et puis je viens de signer un contrat pour faire un film en février. Ça s'appellera Conan. C'est un film de science-fiction préhistorique. C'est vous qui serez l'homme des cavernes? Ah, c'est moi. La fréquentation des femmes est-elle bonne ou mauvaise pour un culturiste? Oh, j'ai toujours pensé que l'amour était très recommandé avant la compétition. La veille du concours, j'en use au maximum, ça me calme et ensuite je me trouve en pleine forme. My father was a police chief in Austria, in a town called Graz. We had a very strict upbringing because of him being with the police force. You know, we had to be the perfect example. We couldn't do anything bad. And it was kind of an uptight feeling at home because of it. I always felt like my place is America. And when I was 10 years old, I only dreamed of coming to America and being the greatest and just being different than everybody else. I thought you were strong. Poke your head behind his back a bit, could you? Play with his hair a little like. Sandy, why don't you get down lower so that you're down, your head is down closer to the floor. That's it, right, that's it. Okay, here we go. Good, hold. Nope.